mais aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mysteria. La musique qui commence en même temps, c'est mignon, mais ça ne m'intéresse pas. Juste baisser le son chez moi. Voilà, nickel. Aujourd'hui, on va faire un... Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Une machine à blé 100% auto, donc ça... pour replanter les choses, etc., etc. Tout est automatique et on va la faire en face de l'usine à vaches, parce que pour nourrir les vaches, il faut du blé. Comme ça, ça sera beaucoup plus pratique. Il suffit de prendre ici, d'appuyer là, d'aller en haut, mettre tout et ça sera OK. Et je pense que comme vous êtes au courant, depuis la première snapshot après la 1.7.4, parce que là, il y a déjà la 1.7.5, mais c'était déjà avant ça, les villageois farmers, donc d'ailleurs j'en ai un juste ici hein, que je suis allé chercher dans mon usine à faire, donc qui est là, peuvent planter et cueillir le, enfin ramasser le blé, les patates, etc. Mais nous on va faire avec du blé, c'est ce qui nous intéresse le plus. J'ai déjà à peu près pris le matériel adéquat pour cette fameuse usine à blé. Et je vous propose de commencer tout de suite pour cela. Alors, il faut juste que je me rappelle des plans. Je crois que c'était 5. Oui, c'est 5, donc c'est-à-dire à partir du... Enfin, avec le coffre, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va aller jusque là. Donc, si le coffre est là... En hauteur, normalement, ça fait 2 plus le coffre. Donc à partir de là, ça fait 2. Ok. Donc je vais devoir casser. Donc attends, imaginons 1, 2, 3, 4. On va casser jusque là. Je fais déjà un petit peu. Je prépare le terrain comme ça. Vous pouvez voir comment. Comment on l'a fait de A à Z, si on peut dire comme ça. Par contre, bon, ça sert à rien de casser de ce côté, mais on va le faire comme ça, on a de la paquette d'ice pour notre chemin dans le nether. D'ailleurs, on a Flex et Al ont avancé dans le nether pour les chemins, donc ils ont fait une sorte de petite gare. Enfin, une petite gare, ils ont surtout fait mon chemin, enfin, à moi, ils me l'ont fait. Non, déjà merci beaucoup parce que je prenais plus de 30 minutes pour venir jusqu'à chez moi et il me fallait presque un stack de bouffe pour venir jusqu'à chez moi en courant. Du coup maintenant je peux aller sans stack et je prends 4 minutes 30, ils ont compté, donc il y a besoin de 4 minutes 30 pour aller jusqu'à chez moi, enfin de chez moi au spawn et du spawn chez moi. Et en même temps avec Matt on est allé chercher un bio Mesa, donc c'est pour ça que j'ai tout ça ici, ça va nous être utile pour nos futurs bâtiments, si je peux dire, parce que j'ai quelques idées avec ça, mais je vais pas vous les dévoiler toutes maintenant, donc vous verrez au fur et à mesure de l'avancement de la série. Du coup on va commencer maintenant. Alors on va mettre un hopper ensuite. Bref, la déco, on fera après. Par contre, le sol... On va juste enlever le sol. Parce que ça va être assez pénible de glisser à chaque fois. Et après, pour mettre le PNJ, je vais utiliser des escaliers basiques. Voilà, nickel. Du coup, maintenant... Il ne faut pas que je me foire. Donc, il y a le coffre. Il y a le hopper. Ici. Ah, par contre, ce qu'on peut faire, ouais, on va faire comme ça. Moi, j'avais pas fait en solo, j'avais fait avec un seul coffre, mais on va faire avec le coffre. Allez. Comme ça, on pourra voir le PNJ aussi. Et on fera une petite déco autour du PNJ. Alors, par contre, les coffres là, ils sont mal mis. Ouais, ils sont mal mis, les coffres. Bref, je les bougerai. Alors, ça va être les petites affaires. Cela va être planter le blé.
On va juste faire. Je fais n'importe quoi. On va juste faire un truc. Va prendre de la redonnée de clé. J'ai plus ma pelle. Je n'ai plus ma super pelle. Elle est où ma pelle? Ah oui, je pense que j'ai sûrement dû la casser. À part si je l'ai oublié dans l'autre maison. Enfin, dans la maison au spawn. En fait, ça, on va plutôt mettre la redonnette clé. J'ai eu un petit lag. La redonnette clé pour pas confondre avec ce chemin-là. Voilà. Ensuite, on peut mettre l'eau. Bon, on peut mettre l'eau dessous. Rien ne nous interdit de le faire. Alors, tac. Par contre, je me demande juste si ça va pas fondre. Enfin, ça va pas justement pas fondre, mais congeler. Enfin, geler plutôt. Je pense pas en tout cas. Non, je pense pas. Quoi qu'il en soit, on va faire comme ça. Et si ça gèle, ben on le verra bien. Du coup, bon, on avance doucement. Je sais pas combien de temps on est, mais bref, on a notre temps pour faire cette petite ferme. Alors ici vont être plantées les graines avec le PNJ qui sera par-dessus. J'ai de nouveau un lag. Je vais juste baisser. Juste baisser ça sans enlever. Voilà, on va faire comme ça. En plus, il y a de la neige. D'ailleurs, voilà, le coucher de soleil. Ah, on le voit pas. Ouais, on le voit pas bien. C'est pas grave. J'espère pas que ça vous gênera la neige, mais je peux rien y faire. Hein. Faut falloir vous habituer. On est dans un biome glace, donc. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors ensuite. Ici seront mis les trucs du coup. Ah, il faut un autre dispenser. Un autre dispenser, comme ça. J'entends des zombies. Est-ce que j'ai déjà un arc de fait? Je crois pas. Donc on va en refaire un ici. Je crois que je suis en train de me tromper. Voilà. J'ai pas de cobble sur moi. Il y en a ici, parfait. Tac, tac, nickel. Du coup, alors, hop. Après pour le circuit, bon, en fait, on peut faire un truc tout basique. Tac, je vais juste dans ma partie solo, je terraformerai après. Dans ma partie solo, j'avais fait avec un coffre, pardon. Du coup, là, je suis en train d'en faire avec deux. Je suis un petit peu en train d'inventer, si on peut le dire comme ça. Du coup, il me faut un deuxième comparateur, parce que j'en avais un deuxième ici. Voilà. On va agrandir encore un peu. Hop. D'ailleurs, faut que je m'achète un autre casque parce que le mien est pété en fait. Tac tac. Du coup, ça on va faire comme ça. Il me faut encore des hoopers. J'avais mis mon fer. Parce que l'usine à fer tourne très très bien. Alors, deux. Oula, j'ai cru que c'était un vrai zombie, mais il est en train de glitcher. Ah, ils sont tous en train de glitcher, c'est assez perturbant. Dégage, merci. Dégage, merci. J'espère qu'ils répareront ça. Parce que le bug était là, mais ils l'ont réglé. Mais depuis, c'est revenu, donc c'est dommage. Alors, c'est comme ça.
comme ça, en étant allumé. On va mettre la couvée. Voilà, nickel, du coup ça va. Je suis en train de faire un n'importe en fait. Je suis en train de faire n'importe quoi. Cette partie-là, c'est pas du tout ici que ça va. Du coup, tout ça, on va casser. Ça, on peut mettre par en haut. Je peux pas sauter. Ça, ce sera pour mettre la bonne mille. Du coup, bah, c'est ça qui nous intéresse. On fera un autre coffre par là-bas pour. Bon, on fera un autre coffre. Si je trouve que ce sera utile de faire un autre coffre pour envoyer directement de la bonne mille sans rentrer dans le système. Du coup, ici, ça va être pour mettre. Ça va être pour mettre la. De la bonne mille en gros. La bonne mille. Du coup, on va injecter nos comparateurs ici. On va faire tac. Hop. Hop. On va les mettre sur on. On va mettre. On va les mettre comme ça. Et je vais juste voir si l'eau a gelé. L'eau n'a pas gelé, c'est bien ça. Je pense que vu qu'elle est enfermée, elle va pas geler. Ça c'est bien. Du coup, la bonne mille sera là. Ça, ça sert de. Bah, en gros, ça envoie. Vu qu'il y a le bloc dedans, ça va envoyer un courant de redstone sur le comparateur, donc qui sent ça. Et qui va donc envoyer un autre courant dans le dispenser. Et le dispenser va pousser la bonne mille pour faire grandir les. Le blé tout simplement, les graines pour qu'ensuite elles se transforment en blé. Du coup oh non ils l'ont tué vraiment ou c'est qu'il est passé par quelque part. S'il est passé par quelque part, je sais pas par où il est passé. Bref, c'est pas grave, j'irai en chercher un autre, c'est un peu chiant parce que c'est très long à avoir. Mais tant pis. On va faire avec, il faut que j'aille en chercher un autre. Du coup, je vais faire une ellipse juste après. En attendant, je vais finir ça. Du coup, ça va grandir ici. Ça va éjecter ça là. Hop, 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 hop. Que ça je mets comme ça ou je mets en blanc, mais je mets ce blanc là. Enfin ce blanc plutôt saumon je dirais. Enfin saumon très clair. Ça je peux faire comme ça, mais par contre ici je vais mettre du quartz. Bloc de quartz. Sinon ça change beaucoup trop. Voilà. Et il nous manque plus que. Ok, bon. Alors ça, la déco, on va dire qu'elle est à peu près finie. Est-ce que. Est-ce que si j'injecterais ça là. Je réfléchis à pourquoi pas enlever ça pour mettre un hooper ici et donc mettre un hooper là et les relier au même, comme ça quand je mets dans un coffre ça s'éparpille en gros. Ouais bah je ferai ça la prochaine fois, faut que je fasse des tests d'abord. Du coup ça on va laisser comme ça. Hop. Il me faut une torche parce que sinon ça va spawner. J'ai pile une torche.
Voilà, ça on va quand même juste boucher. Ça ne sert à rien, ce couteau vient. Du coup, ça on va faire comme ça. Ici, on va monter un peu. Hop, imaginons que ce soit comme ça. Je trouverais ça plus beau de faire quand même par là-bas. Et de peut-être mettre un coffre ici en gros. Mais parce qu'en fait là on voit le coffre, c'est dommage. Ou sinon carrément on enlève les deux hoopers et le coffre, et la bonne mille on ira tout simplement juste la remplir. On va peut-être faire ça, ça fera quand même beaucoup plus beau. D'ailleurs, il y a qui sur le serveur? Ah, il y a Flex. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa montagne. Je l'ai partagé sur Google+. Il y a certains d'entre vous, il y a quelques-uns d'entre vous qui sont allés la voir. Je vous invite à aller la voir, c'est un petit peu le monument du serveur, la montagne. Donc je vous invite à aller regarder ça, le lien de sa chaîne est dans la description de toute façon. Ouais, là ça le fait comme ça. Du coup, là-bas derrière, en même temps on fait un petit coup de déco. Par contre ici, si je suis pas fan de mettre le même, du coup je me demande juste si ça fera pas trop différent. Non, ça peut passer. Hein. Ça peut le faire. Donc attendez, quand j'étais comme ça. Ouais, ça peut le faire. Du coup, il faudrait juste peut-être remonter un peu. Oups. Ou alors prendre un autre. Ça, c'est de l'ardennette. Pourquoi pas mettre du rouge, peut-être. Parce que le rouge, c'est toujours bien. À moins que je fasse plutôt le rouge ici. Non, je vais pas jusque là. Genre comme ça. Comme ça. Je suis peut-être plus tenté par le rouge. Ouais, je pense. Ouais, on va mettre du rouge quand même. C'est beaucoup plus beau. Du rouge. Bientôt on va s'attaquer aussi au système de tri, donc ça sera plus loin dans le bâtiment. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai fini le toit, etc. J'avance un petit peu en solo, hein. Non, j'ai pas fini la vidéo parce qu'il faut encore que je fasse l'ellipse pour le villageois. T'inquiète bro. Alors deux. Regarde si ça peut le faire. Tac, tac. Ouais, c'est plus beau quand même. C'est plus beau, il manque juste le bloc là. Et ça sera. Ah, bleu rouge ou blanc plutôt ici? Ouais, je préfère le rouge. On va faire, hop. Ah, bon, vous me dites ce que vous pensez un peu de la petite cage. Pour que. Bah, dites-moi, tout simplement. Alors, maintenant que j'ai fait ça, il faut juste que je regarde un truc. C'est. Pour pas que le PNJ viennent là-dessus. Je réfléchis comment est-ce que j'avais fait.
Parce que je crois que j'avais fait d'une autre façon. Je crois que j'avais mis en gros la terre ici. Et du coup, en fait. Oh là, excusez-moi pour le bruit. C'est le téléphone. Du coup, ça m'a perturbé dans ce que j'étais en train de dire. Je voulais vous dire. Voilà, j'avais mis la terre. Enfin, j'avais mis la terre où elle est ici. Et du coup, je mettais le hopper. Où il est là, mais je suis plus sûr, parce que ça me semble bizarre. Non, non, il était bel et bien là. Ouais, il était bel et bien là, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Du coup, il me faut juste des vitres. J'ai juste récupéré ça. Je me suis un petit peu embrouillé là sur le coup. Par contre, maintenant, pour accéder là-bas, on va faire ici. Tac. Regardez ce soleil, c'est super seul avec le beacon qui va droit dedans. Le fer, on va le mettre là. Ça aussi, on va mettre. J'ai de nouveau un bug. J'ai plein de bugs quand je rec maintenant, c'est bizarre. Je regarde juste en même temps combien on est de temps de vidéo. 20 minutes déjà, le temps passe vite. En votre compagnie. Du coup, oui, on a passé en même temps que je cherche. Que je cherche les vitres. On a dépassé les 4800 abonnés. Si je me trompe pas. Je crois que c'est les 4800. Et bah, je veux vous remercier. Voilà, moi je suis un gars qui remercie beaucoup. Du coup, voilà. Merci. Alors du coup, on va faire ça comme ça. Et comme ça, on va prendre. J'espère qu'il est dans celui-là. Non. Hop. Ah, il est là. On va faire. Tac. Si je mets déjà. Si je mets déjà. Ça n'envoie qu'un petit bout de courant. Étrange. C'est bizarre que ça m'envoie juste. Ah si, j'en ai une autre. Non, l'autre, du coup, elle est en attente. Imaginons que je prenne. Je l'ai fait en solo et il marche nickel. Bref, je vais voir après en solo parce que c'est comme ça que je l'ai fait. Du coup, il n'y a pas de raison que ça foire. Voilà, là ça marche. Est-ce que ça pousse des deux côtés? Ah, ça fait pousser des deux côtés. Ah, bah c'est génial ça. Ah, bah c'est bien. Ok, bah on a réglé le petit souci. On a réglé le petit souci. Je reteste juste une fois. Voilà, nickel. Du coup, bon, j'avais déjà du blé. On n'a pas déjà tout ça. Du coup, en fait, le PNJ va juste s'occuper d'être là et puis de faire. Oh, oh. Et il cassera, oh, il replante, et ça grandit, et ainsi de suite. Ah, oh, c'est bien, c'est. Normalement, j'ai cru que ça marchait plus, parce qu'on est passé en snapshot 14W10C. Du coup, je me suis dit, oh, merde, peut-être que ça marche plus. Mais il n'y avait pas la moindre raison de pourquoi ça ne marcherait plus. Du coup, je vais faire une chose, je vais aller chercher le PNJ. Il faut que j'aille de nouveau les en tuer quelques-uns pour le reprendre. Et je vais le glisser là-dedans. Et je vous reprends dès qu'il sera là-dedans et que je vois que ça marche. Allez, à tout de suite. Bon,
On est de retour. J'ai mis le PNJ, du coup, bah, vous pouvez voir que ça marche plutôt bien. Regardez, il plante. Bien sûr, des fois, il plante que d'un côté, des fois de l'autre. Du coup, ça nous fait bah, 48 pour l'instant avec 15 sites. Voilà, on a encore deux. On va mettre le reste là. Du coup, bah ça monte gentiment. Des fois, quand il casse, ça vient pas directement ici. Enfin, là, je connais pas ça, les PNJ à 100%. Je pense que des fois, quand il casse, bah, il récupère lui-même. Et des autres fois, bah, ça casse et ça vient ici. Quelque chose que j'ai modifié, c'est que ici j'ai mis des glaces et pas juste des vitres. Tout simplement parce qu'avec les vitres, j'ai remarqué que le PNJ bah, se collait souvent au hooper. Et du coup n'était pas à chaque fois sur les blocs de terre et donc ne voyait pas qu'il y avait des blocs de terre. Et là il y a de nouveau ça, mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je sais pas si c'est parce qu'il marche dessus ou... Je sais pas pourquoi il fait ça. Ah, j'ai de nouveau ces bugs, hein. Je vais régler ça pour le prochain épisode. Vas-y. Nettoie-moi tout ça. Allez, nickel. Maintenant il les casse. Allez, casse ça juste pour voir si ça marche. Mais bon, vous pouvez voir que le circuit marche. Bah nickel. C'est ça que je voulais. Ça se passe comme je voulais. C'est bien. Ça fait plaisir pour une fois. Du coup, j'ai dû reboucher tout ça parce que les mini-zombies, en fait, j'ai oublié les mini-zombies. Et puis, quelques endroits, il n'y en avait que un. Du coup, c'est sûrement pour ça que mon. Ah, il brûle. C'est sûrement pour ça que mon autre PNJ farmer est arrivé. Bah, est mort. Bon, allez, casse. Par contre, on ne casse pas à chaque fois. Ça, c'est vraiment le truc des villageois. Je ne vais pas chercher à comprendre. C'est juste eux qui ont la flemme de casser les trucs. Bon, en attendant qu'ils cassent, j'ai plein de steaks. J'ai combien de vaches là? Trentaine, trentaine. On va venir prendre ce blé, appuyer tout simplement ici, aller en haut, les nourrir, venir les appuyer et voilà, voilà. Du coup, ça nous fait déjà une entrée occupée, ça fait plaisir. Ce qu'il me faudrait faire, c'est... J'ai aussi ajouté ça ici, je trouve que ça fait une jolie entrée, donc on pourra pas mettre peut-être une lampe après. Bref, on verra, mais vu qu'il y a ces lampes là, en mettre une autre ici, je sais pas si ça sera bien. Une chose que je sais pas, c'est quoi faire comme... Quoi mettre comme porte. Ah, salut toi. Flex qui vous dit bonjour. Donc dans les commentaires, allez sur... Enfin, en commentaire. Allez sur sa chaîne et vous allez dans dans la dernière vidéo de Mystérac qui sera en ligne. Sur sa chaîne, donc. Et vous mettez bonjour aussi. Et puis vous dites que c'est un bonjour de ma part. Bon, allez, tu les casses ou pas bro? Là, t'es quoi? Allez, allez, allez. Je sais pas ce qu'il attend. Je sais pas. Du coup, on va se faire une chose. Il faudrait une salle d'enchant ici aussi. Parce qu'à chaque fois que je retourne chez moi, je vais juste voir s'il n'y a pas des zombies. En fait, il n'y a même pas besoin de terraformer. Juste ici, ça je vais changer. Ça j'ai fait juste pour... C'était pour protéger l'autre PNJ, puis pour me protéger moi, parce que les coffres ont pété à un moment. Et du coup, j'ai perdu quelques trucs. Donc c'est peut-être là que j'ai perdu ma pelle. Et j'avais aussi perdu cette épée, en fait. Elle avait exactement la même chose, sauf qu'elle était Sharpness 5. Je vais aller la refaire, hein, mais je sais pas où elle est passée non plus, cette épée. Bon, c'est quand tu veux. On va juste l'aider peut-être à casser
à casser cela, parce que j'ai l'impression qu'il a du mal. Oh là, excuse-moi. C'est pas ça que je voulais faire, hein. Mais le prends pas, mon mec. J'ai encore eu un bug. Allez. Je suis en train de bouger sur ma chaise, donc si vous entendez des bruits, c'est ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Enfin, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais enfin, ça fonctionnait bien, quoi. Du coup, là, je comprends pas. Je vais juste voir. Bon, ça a rien à voir avec les comparateurs, hein, ça c'est sûr. C'est le PNJ lui-même là qui déconne. Ah, là, il y a déjà plus d'eau. Est-ce que l'eau a gelé? Non, pas du tout. Bon, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Faudra trouver. Faudra que je trouve quelque chose pour comprendre pourquoi ça bug en fait. Par là, on va le mettre là, hop, et je voulais juste qu'il le casse lui-même. Regardez là, il l'a replanté, il a bougé, il a fait quelque chose de sa vie. On va voir ce qu'il va faire maintenant. Je vois pas pourquoi il casse pas. Du coup, bah, je vais laisser comme ça. Parce qu'il a cassé au début et je sais pas pourquoi est-ce qu'il casse plus maintenant. Du coup, bah je verrai. Je verrai tout simplement jusqu'au prochain épisode. Bah, quand je jouerai, je vais voir s'il casse ou pas. Parce que c'est pas normal en solo, il marche très très bien. Et bah, là en multi, tout est exactement pareil, sauf que j'ai mis deux. Sauf que j'ai mis deux blocs de terre, donc, mais au final ça ne devrait strictement rien changer. Du coup on va voir ce que ça donne. Je tiendrai au courant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait, ça il doit marcher à 100%, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne casse pas, parce qu'en solo il marche très très bien. Et je sais pas si vous savez pourquoi est-ce qu'il bug des fois, parce que là ça fait il y a peut-être 10 bonnes minutes qu'il fait rien du tout. Qu'il est, et là, il attend. Le circuit il tourne. Donc, dites-moi. Parce que je n'ai aucune idée pourquoi est-ce qu'il fait ça. Par contre, si je. Par contre, j'ai pas envie de le taper encore. Si je casse. Normalement, il replante. Là, je crois qu'en fait, il est en mode glande. Enfin, il glande, quoi. Ou alors il a peut-être. Il a plus de graines. Je pense pas que c'est ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il fait rien du tout. C'est bizarre. Allez, maintenant il a des nouveaux trucs. Wow. Je déteste ces petits. Est-ce que c'est parce que je fais la. Ah bah il a planté en fait. Est-ce que c'est parce que c'est la nuit qu'il ne plante pas? Donc imaginons que ce soit lui qui casse. On va voir sur ce. Là, il rejoint. J'ai eu un lag. Là, il a planté. Là, il a planté. Après, je sais pas pourquoi il casse pas.
Bref, je trouverai pourquoi, c'est peut-être juste la snapshot là qui bug, je sais pas du tout. Mais je trouverai. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a vu comment on fait un farmer. Enfin, une usine à blé 100% auto, donc quelque chose qui n'était pas possible sans cet ajout des PNJ qui replantent les graines. Très bon ajout de la part de Mojang. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. J'ai des lags, je sais pas pourquoi. En fait, c'est une chute d'FPS. Faut que je regarde pourquoi ça. Merci d'avoir regardé. Et si vous savez pourquoi est-ce qu'il ne casse pas, mettez-le en commentaire. Et voilà. Allez, merci d'avoir regardé et bye bye tout le monde.